Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Pour information, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Builderall hein, pour faire la création de sites internet. Aujourd'hui, nous allons parler de formulaire. Okay, vous avez créé votre site et vous aimeriez que les gens vous envoient des messages depuis votre site internet. Comment vous faites ça en utilisant l'outil Sheeta de la plateforme Builderall? Pour ce faire, on va aller regarder au niveau des fonctions. Cliquons sur ajouter. Bon, là on était sur bouton. Donc normalement ce que vous êtes censé faire c'est cliquer sur ajouter éléments et on va aller trouver notre fonctionnalité qui s'appelle formulaire de contact. Pour info, il y a deux types de formulaire de contact sur l'outil Sheeta. Le premier, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Le deuxième formulaire, en fait, c'est ça marche avec l'autorépondeur hein, de Builderall. On va pas en parler maintenant, on en parlera plus tard. Okay, donc aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, formulaire de contact, on va dessus. Il y a différents modèles, on va prendre le premier et on va commencer à travailler dessus. Donc nous avons notre formulaire qui est là. Super, c'est génial. Quand on clique dessus, vous allez remarquer, on a une disquette pour enregistrer cet élément comme un élément personnel. Quand je vais cliquer sur le crayon, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités du formulaire. Ces éléments-là, vous les connaissez, ces fonctionnalités, vous les connaissez, c'est pour superposer les éléments hein, sur un site. Hein. Si je clique là, c'est pour centrer mon formulaire. Quand je vais cliquer ici, hein, ce serait pour travailler sur les champs, on reviendra là-dessus plus tard. Les grilles, donc ça, c'est pour différentes présentations, pour présenter mon formulaire de différentes façons. Donc il y a trois façons hein, de présenter le formulaire. Je vais rester sur le standard. Preuve sociale, donc ça c'est une autre fonctionnalité. On va dire c'est plus qu'une fonctionnalité, c'est un autre outil de la plateforme Builderall hein, qu'on peut relier là. Mais on n'en parlera pas dans cette présentation. On reviendra là-dessus plus tard s'il le faut. Fixer, bon, le recap chat, vous savez ce que c'est. Quand vous remplissez des fois les formulaires, on vous demande de dire ce que vous voyez sur l'image, si vous voyez un vélo, etc. C'est ce qui permet de le faire. Dupliquer, si je veux dupliquer mon formulaire, cacher le formulaire, supprimer le formulaire. OK. Donc là, on va commencer à regarder un peu les fonctionnalités de notre formulaire. Quand je vais cliquer sur le crayon, j'ai les fonctionnalités qui s'ouvrent. Okay. Si je veux que ça s'ouvre là, ce que je peux faire, c'est de fermer ça. Et je clique là. Et je clique sur le crayon. Et je vais avoir les fonctionnalités ici. Première chose qu'on a, c'est marqué réglages généraux. Okay. Afficher un espace réservé. Quand je décoche ça, qu'est-ce qui se passe? On voit rien. Okay. On reviendra là-dessus. Hein. On reviendra sur tous ces détails hein, au fur et à mesure, si c'est plus pertinent, on reviendra là-dessus. Donc libellé, donc chaque champ a son libellé. Je peux afficher le libellé comme ne pas l'afficher. Quand je l'affiche, vous voyez que c'est comme il y a un doublon. C'est ici que les gens entreront leur nom et prénom. Et il y a déjà un test qui le dit qu'ils doivent le faire. Et le libellé, c'est au-dessus qui indique la même chose, du coup ça fait du blond, donc je peux l'enlever. Après je peux utiliser le libellé hein, pour donner d'autres informations supplémentaires si je trouve que c'est utile. Forme horizontale, quand je clique dessus, j'ai ça, mais ça va aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Tac, taille personnalisée, voilà, hein. Je l'enlève. Avec ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, concernant les différentes façons de présenter le formulaire. Ok, donc là on a fait un peu le tour hein, sur les réglages généraux. La prochaine fois, on commencera à parler de taille. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, je vous invite hein, à aller sur notre site awdeo.fr et nous avons mis en place une formation gratuite hein, qui vous permet de faire ça. Donc une fois que vous êtes sur le site, scrollez jusqu'au milieu de la page à peu près hein, et vous cliquez sur le bouton je commence ma formation et vous aurez toutes les instructions pour pouvoir le faire. Si vous voulez que nous créons pour vous votre site internet, ce sera avec plaisir. Nous sommes une agence web, donc remplissez le formulaire en cliquant sur ce bouton et nous aurons votre message, nous vous contacterons pour pouvoir réaliser votre site internet. Vous pouvez également nous envoyer un mail directement ou nous appeler à ce numéro.
N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.